Bonjour à vous. Vous savez, sur le papier, l'âge adulte arrive aux 18 ans, mais moi j'ai ma petite théorie et j'ai envie de dire que l'âge adulte commence réellement aux alentours des 25 ans. En effet, vers cet âge-là, t'as possiblement connu quelques tafs alimentaires, quelques stages en entreprise, des moments entourés et des moments seuls. Et surtout ton premier avis d'imposition. Bon, je vois déjà ceux qui vont faire c'est pas à cet âge-là qu'on devient adulte. 25 ans, je le vois comme une moyenne, donc on peut très bien y arriver avant ou on peut très bien y arriver bien après. Grosso modo, c'est un petit peu comme dans un RPG. Ceux qui tryhardent réellement cumulent de l'XP beaucoup plus vite et s'équipent plus rapidement pour affronter les quêtes à venir. Pour rappel, avant d'arriver à l'âge adulte, les préoccupations sont très simples. Jeux vidéo, alcool, rencontre, soirée, alcool, soirée, apéro, rencontre, soirée, alcool, rencontre, sexe, soirée, rattrapage. Quelqu'un aurait de l'aspirine, s'il vous plaît. Oh pardon, on a un petit peu trop avancé dans l'histoire. Pause, on revient en arrière. Ce que j'allais vous dire, c'est que l'âge adulte commence par un seul mot. Vous voulez une poche, monsieur ? Monsieur ! Lorsqu'on entend madame ou monsieur pour la première fois, ce qu'on encaisse inconsciemment, c'est le poids de la responsabilité qui nous tombe sur les épaules. Un peu comme ce pauvre gars à Pompéi qui a échappé à la lave mais qui est mort à cause d'un rocher. Bref, avec ce madame monsieur, tu sais que tu deviens adulte et que plus rien ne sera comme avant. Avant, quand t'avais une absence injustifiée. Si tu continues comme ça, mon grand, tu vas finir par avoir un avertissement. Maintenant, quand tu as une absence injustifiée. T'es viré. Avant, quand t'avais des mauvais résultats. Ah bah oui, t'as eu un 0 sur 20, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses signer la note par tes parents et avec un peu de chance, ils vont te priver de console. Ça te fera pas de mal, petit con. Maintenant, quand t'as des mauvais résultats. Dévigré. Avant, quand tu te bagarrais. Ça fera 2 heures de colle. Maintenant, quand tu te bagarres. Vous êtes condamné à 1 500 € d'amende et 2 ans de prison avec sursis. Et ouais, bienvenue dans la dure réalité de l'âge adulte. C'est aussi ce moment où tu réalises que ton parcours scolaire t'a probablement servi à rien. Et perso, avec un peu de recul, maintenant, l'école, je la vois comme ça. Soldats, vous êtes désormais diplômés du plus prestigieux établissement de notre nation. Vous allez vous retrouver parachutés sur le front directement en première ligne. Êtes-vous prêts, chef? Oui, chef. C'est parti, feu vert. Go, 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 go. Chef, on n'a pas d'armes? Et en plus, on n'a jamais appris à tirer. Non, car ce n'est pas au programme, puisque l'éducation nationale considère que ça ne vous sera pas utile. Allez, go, go, go. Ouais, chef. Quand est-ce que vous nous donnez les parachutes? Les paras quoi? Et en plus, on en a jamais fait. C'est pas mon problème, soldat. Démerdez-vous avec ce qu'on vous a appris en cours. Y'a bien quelque chose comme le théorème de Pythagore ou les fonctions affines qui vous permettront de gérer l'atterrissage sur le front. Allez, go! Eh ouais, non mais en même temps, on te demande tellement tôt de savoir ce que tu voudras faire une fois adulte alors que t'en as aucune idée. Merci la société, merci l'école, merci le ou la conseillère d'orientation. Eh ben enchanté, je m'appelle Julien, je suis ton conseiller d'orientation et je suis là pour t'aider, hein. Donc on va commencer, t'es bon quoi? Bah pas grand chose en fait parce que j'aime pas l'école. Ok. Tu chasses quoi toi? Tu veux devenir SDF? C'est quoi le projet? Non, on va peut-être pas en arriver là, hein. Peut-être que si vous me demandiez par exemple quelles sont mes passions, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, je vous répondrais que j'adore les arts en général et que j'adore les nouvelles technologies comme la blockchain parce que je pense que c'est le futur. Ok. Non, parce que tu sais que l'art, les hobbies, les passions, c'est fait pour occuper tes dimanches, ça va pas plus loin. Par exemple, je vois ta blockchain. Moi j'ai un petit neveu de 12 ans, ça fait bien longtemps qu'il a arrêté d'y jouer. Hein, parce que moi le voir taper sur des pixels avec une pioche à longueur de journée, ça m'a rendu marteau. Marteau. Par rapport au... à la pioche. Alors. Plus sérieusement, moi je suis là pour t'aider à trouver un CDI. Hein, un vrai métier, une situation. Parce que comment tu comptes avoir ta maison, ta femme, tes 2 enfants, ton gosse, ta voiture, ton bateau et des crédits pleins d'eau si t'as pas de CDI, hein? Donc maintenant on va reprendre depuis le début, tu vas me laisser faire mon travail correctement. En quoi t'es bon? Je suis bon en art plastique. D'accord, t'as pas l'air de comprendre. Moi je veux pas que tu finisses sur la rue, il y a bien un truc en quel t'es moins bon. Là où c'est le moins pire, c'est en mathématiques. Ben voilà, tu me donnes un nombre. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, quelle couleur? Noir. Noir, tu seras un banquier. Ouais, pardon. Chargé d'accueil en banque à la Société Géniale. On va là, hein? Allez. Hey, j'espère que tu es heureux de connaître le rôle que tu auras pour servir dans la société, hein. Allez, ça fera 20 balles. Pardon? Allez, je rigole, c'est gratuit pour toi, mon confil comme le vent. Enfin, gratuit, c'est les impôts de tes parents qui payent mon poste, quoi. À bientôt les... Aussi, tu rentres dans l'âge adulte quand tu commences à tilter que l'administration est absolument mal foutue. Prenez l'exemple de la plupart des sites d'administration ou bien du gouvernement. Les mecs, ils te codent ça encore comme si on était en 2000. Putain, Francis! Qu'est-ce que t'as foutu avec le site de la cave, bordel, là? C'est n'importe quoi, ton codage! Bouge, faut encore que je corrige tes erreurs! Regarde comment on code, c'est comme ça qu'on code. T'as compris? Oui. Là, c'est bien codé. Donc maintenant, sois gentil, tu t'occupes du site de Parcoursup. C'est très important pour notre nation. Oui, patron. Allez. Okay. Très bien. Voilà! C'est bien, mon Francis! Ça, c'est le Francis que j'aime! Allez, bosse bien! Ah! Ah!
même pas mal. Pour rester sur le même sujet, tu deviens adulte lorsque tu réalises que l'administration est absurde et kafkaïenne. Non mais la moindre démarche, on te vole ton temps, ça prend des millénaires. Je viens pour faire une déclaration de changement de situation. Oui, bah il faut le faire sur le site internet, monsieur. Oui, alors justement, votre site il marche pas, c'est pour ça que je viens. Alors ça m'étonnerait parce que nos ordinateurs sont parfaitement à jour, ils sont sous Windows XP et Internet Explorer. D'accord, ouais, ça va être pour ça. Bah oui, monsieur. Faire les mises à jour, hein. Oui, sûrement. Bon, bref, c'est pas grave. Tant que je suis là, est-ce qu'on peut s'occuper de mon changement? De toute façon, vous êtes pas au bon service, hein. Donc du coup, vous allez aller au bureau 342, vous sortez du couloir, vous allez au bout, vous allez à droite, vous prenez l'ascenseur, vous prenez l'escalier en colimaçon, vous descendez, il y a un deuxième escalier, et là, vous y êtes. Bonjour, je... Encore vous? Mais vous auriez pas pu me le dire directement? Bon, vous avez votre ticket, monsieur. Pardon? Le ticket, tout le monde a besoin d'un ticket, monsieur. Non, enfin, c'est-à-dire, vous m'avez pas précisé d'en prendre un, hein. C'est logique pourtant, un ticket. Le ticket rose. Bonjour, vous allez sûrement pouvoir m'aider, ça fait 20 minutes que je cherche désespérément les tickets roses. Les tickets roses? Ça fait depuis 2013 qu'ils sont plus en service, monsieur. Bon, votre demande concerne quel service? Une déclaration de changement de situation. Ouais, je me doute bien. Quel genre de changement de situation, monsieur? Ah justement, je sais pas encore, j'y comprends rien, votre truc, là. Mais je peux pas savoir à votre place, monsieur, il y a au moins 12 services de changement de situation. Bah je sais pas, c'est votre collègue du bureau 342 qui m'a dit de prendre un ticket rose. Ah, mais c'est Fred, du 342. Bon, prenez un ticket jaune. Fred, il est daltonien. Allez, bonne journée. Un ticket rose! Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Bon, rebonjour, du coup, je viens pour un changement de... Ah! Il est midi! Eh ben, j'ai fini! Bah, attendez, vous revenez à quelle heure, là? Ah ben non, monsieur, là, on a terminé pour la journée, là. On ouvre mercredi et jeudi de 10h à midi. Avec les jours fériés et les ponts, là... Bah, on n'ouvre pas avant 3 bons siècles, hein. Donc, pour résumer, quand tu deviens adulte, tu te rends compte qu'on te vole ton temps. Mais pas seulement ton temps, on te vole aussi ton argent. Permettez-moi de vous présenter un des plus gros obstacles de la vie adulte, les banques traditionnelles. Bien, monsieur Théo, on va faire un petit point sur votre compte afin de savoir comment on va pouvoir travailler ensemble main dans la main. Donc j'ai fait au préalable une petite analyse de votre compte, je vois que vous avez des rentrées régulières quand même, et je voulais vous proposer de le faire travailler votre argent afin d'en gagner plus. Vous allez voir, c'est très très simple. Imaginez vous placer 200 euros tous les mois dans une assurance vie, que vous multipliez par la racine carrée du taux en vigueur qui est de mémoire 0,3%, multiplié par 12, que vous divisez par le nombre d'agences que nous avons, c'est-à-dire 1192. 1192 détermine X pour une raison qu'on ne connaît pas. X égale 12 détermine Y qui va déterminer une nouvelle fois Z, va nous rapporter 300 000 euros, monsieur Théo. Et vous, vous allez pouvoir gagner 500 000 roupie indonésienne, ce qui est l'équivalent de 30,86 € sur lesquels nous allons amputer, bien sûr, les charges sociales qui s'élèvent à 95%. Résultat des courses, monsieur Théo, en l'espace de 10 ans, on vous aura fait gagner 1,54 €, soit l'équivalent d'une bonne baguette de pain. Elle est pas belle, la vie? C'est là que tu réalises que bien trop souvent, les banques traditionnelles te la mettent bien profond. Vous savez, moi, quand j'étais étudiant, j'existais pas à leurs yeux. Mais par contre, dès qu'il y avait le moindre découvert, je peux vous dire que les mecs me loupaient pas. C'était à la seconde près. Tu découvres, monsieur Théo? Adjo, 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 adjo. Oh, mais monsieur Théo, les petites vacances en Thaïlande, on s'est plaisir. Eh ben, nous aussi. Et commission, et commission, et commission. Et quand tu commences à rentrer dans la vie active et gagner un petit peu ta croûte, alors les frais ne bougent pas d'un iota, bien entendu, je dirais même qu'ils augmentent. Par contre, l'attitude des mecs en agence, c'est magique, ça change du tout au tout. Ah, vous allez bien, monsieur Théo? Vous voulez un petit café, monsieur Théo? Vous voulez un petit sucre dans votre café, monsieur Théo? Vous voulez peut-être que je vous caresse les boules pendant la fellation, monsieur Théo? Eh, je vous jure, c'est vraiment les pires, surtout quand tu gagnes difficilement ta vie, c'est là qu'ils adorent te planter. Excusez-moi, mais la seule chose que je remarque, c'est que le peu de blé que je vais gagner en plaçant mon argent chez vous, ça couvre même pas les frais de la carte bleue, toutes vos cotisations opaques et sans compter toutes les commissions que vous prenez lorsque je pars en vacances à l'étranger. Mais écoutez, monsieur Théo, comment vous voulez que ça fonctionne sans tous ces frais? Je vous rappelle que la qualité a un prix. Après, vous pouvez toujours aller voir ailleurs. Par contre, je vous préviens, ce sont de véritables dinosaures. Alors à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais clôturer tous mes comptes chez vous, je vais me barrer votre banque pour aller chez N26. Vous savez, c'est une banque mobile qui propose une carte bleue gratos, il n'y a aucun frais sur mes paiements en carte à l'étranger, et au moins, eux, ils ont une grille tarifaire totalement transparente. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah écoutez, monsieur Théo, le prenez pas comme ça. Trouvez un arrangement, voilà. Ce que je peux faire, aller au maximum, c'est vous proposer moins 50% sur votre cotisation annuelle sur votre carte. Pas mal.
Blague à part, petite astuce pour économiser de l'argent et donc en gagner, clôturez vos comptes dans les banques traditionnelles et allez dans une banque mobile comme N26. Personnellement, et c'est vrai, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Et ben vous savez quoi? Vous allez me clôturer mes comptes aujourd'hui, hein? Et ben vous savez quoi? Eh ben je me sens pas très bien. Eh ouais, tu deviens adulte lorsque tu te rends compte de tout ça. Lorsque tu te rends compte que ta vie va être un combat. Combat que tu vas mener seul parce que personne t'attend. Combat que tu vas mener contre un système absurde et féroce. Bah ouais, en même temps, c'est hardcore. Bon, les gars, je vous mets pas la porte, on travaille tous demain matin, ce serait bien qu'on aille se coucher, je pense. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Ouais, j'avoue, il est déjà une heure, quoi. Finalement, l'âge adulte, c'est lorsque tu as conscience de tout ça et que tu es raisonnable et responsable. Ou pas. Eh, venez, les gars, on tisse toute la nuit et on va au travail bourré demain. Ouais ouais. Quelqu'un aura de l'aspirine, s'il vous plaît. Bon, que tu sois adulte ou pas, laisse un énorme pouce bleu. Et surtout, si t'as des questions, laisse un petit commentaire. J'y répondrai dans un making-of FAQ. Autre chose, vous avez pu voir un placement de produit pour la banque mobile N26. Sachez que je suis hyper content de bosser avec eux parce que j'étais client chez eux bien avant qu'ils me contactent. Et franchement, mon témoignage est authentique. Et si vous êtes comme moi et vous détestez les banques traditionnelles, passez chez N26. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.